Hey, salut tout le monde. J'ouvre un nouveau vlog et j'ai décidé de vous emmener dans ma journée de A à Z. Bon, je vous ai épargné le petit déjeuner et la douche. Je vais commencer ma journée. Il est un petit peu tard, il doit être 9h10. Le temps d'allumer la caméra, etc. Ça m'a pris un peu de temps. Ma to-do list est prête. Donc aujourd'hui au programme, je vais essayer de tourner une vidéo pour YouTube. Tourner des TikTok, malgré le manque de luminosité, la journée grise qui nous attend. J'ai des choses personnelles aussi à faire. Quand on est auto-entrepreneur, bah, des fois, on prend un peu de son temps de professionnel pour gérer des choses privées, mais parce que je suis à la maison et que c'est plus pratique quand on a des démarches administratives à traiter. Monsieur Lee étant en entreprise, il ne peut pas se permettre de passer des coups de fil. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Je regarde ce qui me reste aussi à faire et peut-être un article, je sais pas si j'aurai le temps. Enfin bref, là tout de suite, ça va être les mails, j'allume mon ordinateur et je vais aller me faire un petit thé et je vous montre tout ça. Je vous reprends, j'ai traité les mails privé, personnel, et je me suis mise sur ma boîte mail professionnelle. Je voulais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc là, vous voyez, j'ai 3 mails d'hier soir à traiter. J'essaie vraiment de les traiter jour après jour, enfin, moi, peut-être en vacances ou en week-end prolongé, où je prends un petit peu de retard, mais en général, vraiment, je réponds à tout le monde sous 48 heures. Donc là, j'ai plusieurs propositions de service presse et donc je vais étudier en fonction du livre qu'on me propose de lire si ça m'intéresse ou pas. J'ai déjà vu qu'il y avait une proposition pour un livre jeunesse. Je ne lis pas du tout de littérature jeunesse, donc ça, bon, malheureusement, je vais répondre que ça ne m'intéresse pas. Et puis après, je vais regarder. Il y a 2 autres services presse. Donc je regarde la maison d'édition, le nom de l'auteur, le genre. Évidemment, si c'est un polar, c'est pareil, ça m'intéresse pas forcément de lire du polar et de vous en parler. Voilà, je vais étudier ça et puis je réponds à chaque personne. Je suis maintenant sur le blog, je vais aller regarder si j'ai des commentaires à traiter, à répondre. Là, vous voyez, c'est toutes les chroniques qui sont en attente de publication, que je dois aussi encore rédiger. Il y en a quelques-unes qui sont prêtes. Et donc, les commentaires. J'ai posté un article hier soir, donc j'imagine qu'il y a peut-être eu des réactions. Ouais, c'est le cas. Donc là, j'ai 3 commentaires. C'est parti. Bah, écoutez, je vais vous lire et je vais vous répondre. Et après, on fera la même chose pour YouTube. Les mails et les commentaires sont traités. Je fais un petit point facturation. J'ai un carnet qui est ici dans lequel je mets toutes mes collaborations en cours. Je suis un peu à l'ancienne de ce côté-là. J'aime pas trop les tableaux Excel, les fichiers informatiques, enfin les formats informatiques. Donc j'ai un petit carnet. Voilà. Et bah, quand il y a un petit post-it comme ça, je vous montre de loin, mais quand il y a un petit post-it comme ça, c'est que la collaboration est complètement terminée et que j'ai reçu le règlement. Et puis après, il y a les collaborations en cours. Donc, je note dessus le produit que je dois recevoir, enfin le produit, le livre en général que je dois recevoir, ce que je dois produire comme contenu, c'est-à-dire ce qui a été établi avec l'éditeur dans mon contrat, combien de posts, combien de stories je dois faire, tout. Enfin voilà, j'écris vraiment tout ce que je dois faire de A à Z, s'il y a une date à respecter de publication, si je dois absolument envoyer le contenu avant validation. Bon, normalement, je le fais, mais c'est pas automatique avec tout le monde. Je note la rémunération, je note si j'ai établi le devis, s'il a été envoyé, si j'ai établi la facture et si elle a été envoyée. Et une fois que la facture est réglée, je le note, je mets le petit post-it de couleur et voilà, je passe à d'autres collaborations. Donc, je fais un point, pas tous les jours parce qu'il n'y a pas des règlements tous les jours, hein, j'ai pas tant de contrats que ça.
Mais là, on est en fin de mois, donc je sais qu'il y a des règlements qui vont se faire et j'ai vu sur mon compte qu'il y avait justement un paiement qui était arrivé. Donc, je vais aller retrouver la collaboration en question, je vais pouvoir la finaliser. Et de mon côté, je vais regarder s'il y a des relances à faire. Donc, j'ai un logiciel comptable qui m'aide à gérer toutes mes factures. J'établis tous mes devis sur ce logiciel, j'établis toutes mes factures. Je peux les mettre à jour, je peux les modifier. Et puis, je peux indiquer sur ce logiciel ce qui est en attente de paiement, ce qui est réglé, ce qui est à relancer. Et ça me permet vraiment, enfin, c'est génial quoi. En fait, c'est hyper simple, ça m'évite de prendre une comptable. Après, je suis auto-entrepreneur, j'ai une faible activité, entre guillemets. Je ne suis pas une grosse entreprise, une PME, et j'ai pas d'employés. Donc, c'est assez relativement simple et rapide à traiter. Donc, aujourd'hui, ce simple logiciel, entre guillemets, me permet vraiment de faire ma compta tranquillement. Et vous l'aurez peut-être compris, je suis assez organisée, donc c'est quelque chose que je fais. Enfin voilà, je suis au jour le jour ce truc-là. Donc là, je vais faire ça. Ça va me prendre 10 minutes, un quart d'heure, et puis je vous reprends après. Il est bientôt 10h, donc vous voyez, le point administratif m'a pris à peu près 3 quarts d'heure. Je vous ai détaillé ça point par point et vous comprendrez peut-être mieux ce que je veux dire par point administratif à chaque fois que je vous dis ça. J'ai mon petit carnet parce que là aussi, tout ce que je prépare pour mes vidéos, je le fais de façon manuelle, par écrit. J'aime bien ça. Voilà, c'est ma façon de travailler, c'est peut-être parce que j'ai bientôt 36 ans, je sais pas. Mais donc aujourd'hui, je tourne une vidéo sur les prix littéraires à absolument lire. Donc j'ai préparé ça déjà hier, j'ai commencé hier après-midi, j'ai pas eu le temps de finir, donc je vais terminer. En fait, je vais vous parler dans cette vidéo des 10 romans qui ont remporté des prix littéraires et qui, selon moi, méritent vraiment d'être lus. Donc j'ai trouvé 10 titres, il y en a 6 que j'ai préparés. Quand je vous dis préparer, en fait, je mets quelques notes sur l'histoire. J'ai relu mes chroniques des fameux romans pour me rafraîchir la mémoire. Je vais noter pourquoi, selon moi, il faut absolument les lire, qu'est-ce que ça m'a procuré comme émotion. Voilà, je prends quelques notes, comme ça, au moment du tournage de la vidéo, c'est plus clair pour moi. Ça me permet d'aller plus vite aussi et de ne pas partir dans tous les sens et de ne pas faire de l'impro totale. Donc, je continue ces petites notes. Il me reste 4 titres. Et après, je passerai au tournage. Vu, j'ai préparé la mise en scène, les lumières, le canapé, les livres sont prêts. J'ai mon petit cahier, j'ai mon verre d'eau à côté, et puis voilà, il est 10h30, donc j'espère ne pas trop tarder à tourner. C'est la phase la plus longue en général, enfin avant le montage, ça prend plus de temps, mais je suis plus à l'aise à faire du montage qu'à tourner en fait. Pour tout vous dire, je suis pas super à l'aise derrière la caméra, même si ça va un peu mieux qu'avant. Je préfère clairement vous tourner du vlog comme aujourd'hui parce que je me sens un peu plus libre de mes propos qu'une vidéo un peu structurée pour présenter 10 titres. Ça prend toujours du temps parce que je fais des erreurs, enfin je fais des fautes d'orthographe en parlant à cause du stress et du coup à chaque fois je dois recommencer la séquence. Enfin bref, il est 10h30 donc je m'y mets. Bon, j'ai dû interrompre le tournage, je sais pas si vous l'entendez, il y a une tondeuse qui s'est mise en route dans mon jardin, enfin dans le jardin de ma résidence je pense. Le tournage est terminé, il est 11h45.
Je vais maintenant ranger tout ça, ranger les livres. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time. Il est midi, j'avais deux coups de fil perso à passer qui sont passés. Je vais aller me faire à manger et prendre ma petite pause déjeuner. Je vous reprends après ça.